Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours d'écriture syllabique des sons. Cahier du jour, écriture. Leçon E. E minuscule et E majuscule. E. C'est une voyelle. Voyons cette voyelle dans les noms propres, comme par exemple Enzo, un nom de garçon. E-N-N. Z-O-Zo. Enzo. En deux syllabes. Un prénom présent de fille, comme par exemple Jade. Un J majuscule A, Ja. D-E, 2. En deux syllabes également, Jade. Passons au nom commun avec, par exemple, un cheval. Un cheval. Alors, C-H-E, che. V-A-L, val. Cheval. Un cheval, deux syllabes. Une cerise. Un nom commun féminin. Une cerise, ça c'est bon ça. Donc, C-E, ce. R-I, ri. Et là, attention, c'est S-E pour la troisième syllabe. Cerise, trois syllabes. Cerise, une cerise. Un autre mot, comme par exemple une grenouille. Une grenouille. Féminin. Une. G-R-E. Gre. N-O-U-I. Elle, nouille. Et la troisième syllabe, L-E. Une grenouille en trois syllabes. Une poule. Une poule qui pond des œufs. Une poule. P-O-U, pou. L-E, le, poule, une poule, en deux syllabes, une poule. Un autre mot féminin, une fenêtre. Une fenêtre. F-E, feu. N-E, accent circonflexe, né. Et pour finir, le mot T-R-E, trois syllabes, fenêtre, une fenêtre. Un dernier mot féminin, comme par exemple une table, pour écrire une table, ou pour manger, bien sûr. T-A, ta. B, L, E, bleu. Table, en deux syllabes. Une table. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez les liens vers mes cours dans la description.
Au revoir et à très bientôt.